Coucou les filles. Alors on se retrouve pour la vidéo des coloriages du mois de novembre. Donc je commence avec le premier que je viens d'ailleurs juste de terminer. Puisque vous savez que maintenant je filme à mesure les coloriages finis comme ça. Comme on l'a compris, j'ai pas besoin de stocker, je peux ranger direct les livres. Et à mesure, je vous dis bien comme ça avec quoi je viens de le réaliser. Donc celui-ci est extrait du livre Momo Girl. Je vous l'avais montré dans la fin de la vidéo des coloriages du mois d'octobre. J'avais déjà fait cette partie-là, il me restait celle-ci. Donc en fait, comme vous l'avez vu, j'ai un peu fait un miroir inversé au niveau des couleurs. Quand vous refermez, c'est l'inverse, gris, rose, etc., etc. J'ai fait les rideaux et le fond au gélatos. Et j'ai fait toutes les vêtements et les cheveux avec les holbaines, la peau avec du make-up. Et tout ce qui brille, là, les serre-têtes de fleurs, le petit haut du chemisier au sparkle, avec les feutres sparkle. Voilà. Holbein, gélatos, make-up, sparkle. C'est bien ça. Alors, j'ai fait celui-ci. C'est un PDF que j'ai pris sur Etsy. Donc, hop, je vais le poser comme ça. Donc j'ai fait tout le personnage, le petit chat, tous les petits, les cheveux, le soleil, la lune, tout ça je l'ai fait au graphite, la peau également, la table et tous les accessoires j'ai fait au sparkle et le fond je l'ai fait au pan pastel. Voilà. J'ai pas trop aimé le faire et je l'aime pas trop. J'aime bien la poupée, mais tous les petits machins, là, ça m'a saoulé. C'est pas trop le style de dessin que j'aime faire habituellement. J'avais eu un coup de cœur quand je l'ai vu sur Etsy et je l'ai pris. J'en ai pris qu'un seul, donc Halloween, pour Halloween. Mais je le réimprimerai pas pour le refaire, hein, ça c'est sûr. J'ai fait pas mal de coloriage dans celui-ci. Que j'aime beaucoup, c'est le premier que j'ai eu de Grazia Salvo. J'ai commencé par celui-ci que j'ai fait avec du maquillage pour la peau et j'ai fait tout le reste au sparkle, intégralement au sparkle et les petits points au Posca. J'ai adoré le faire. Je sais pas si vous voyez. Lumière. Après j'ai poursuivi dans ce livre là toujours, j'ai fait celui-ci, je l'ai fait au spectrum, au feutre spectrum métallique et pailleté, et j'ai fait tout le reste avec les aquarelles prima, même la peau. En fait j'ai tout fait à l'aquarelle prima. Et j'ai utilisé les feutres sparkle pour les bijoux et les sparkle métalliques pour l'intérieur des fleurs. Voilà. Hop. Après, j'ai fait celui-ci. Donc lui, je l'ai fait entièrement au néocolore, au Posca. Des paillettes et un petit peu de sparkle pour les bijoux. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas si je vous les ai montrés entièrement. Mais... celui-là, j'ai adoré le faire aussi. De toute façon, je les aime tous. Grazia Salvo, j'ai jamais de soucis à m'inspirer, à trouver des idées. Et dans ce livre-là, pour terminer, j'ai fait celui-ci. J'ai fait la peau au make-up. Et j'ai fait tout le reste au crayon Gangui, le fond au pan pastel. Et en fait, j'ai fait le fond au Jane Davenport et les petites bulles par-dessus au pan pastel avec un pochoir. Et les petits points au Posca. Et les Gangui, je les adore. Franchement, ils sont pas chers, il y a beaucoup de couleurs, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, je suis restée dans Grazia Salvo, mais je suis partie sur un PDF. Et franchement,
cette série-là, il me semble qu'elle l'a appelée Geisha. C'est pas tellement mon univers. Donc bon, en plus, pour tester, je l'ai imprimé sur du papier brun comme ça. Prune, pardon. À pastel. Et je l'ai fait entièrement au Jane Davenport. Il me semble que j'ai filmé une partie, alors je ne sais plus si je l'ai posté sur YouTube ou sur Facebook, mais et notamment les petits bijoux que pareil que j'ai fait au Sparkle. Donc tout entièrement au Davenport et Sparkle, j'ai fait quelques contours de l'habit et les bijoux avec. Et les petits contours des fantômes. Hop. Et pour terminer, pour cette première moitié de novembre, j'ai fait celui-ci entièrement au marco aquarellable, le fond au pan pastel, c'est-à-dire ça, et du Posca. En fait, j'ai fait le contour des feuilles, des fleurs avec les Posca. Et ce sera le dernier pour cette moitié de mois. On se retrouvera à la fin de novembre pour faire la deuxième partie. Et cette deuxième partie, elle sera intégralement consacrée au thème steampunk de Samy Bichacha. Donc, pour celles qui me suivent sur Facebook, vous en voyez déjà défiler. Mais pour celles qui ne voient pas défiler les colos au fur et à mesure, eh bien, à la fin du mois, la vidéo partie 2 décoloriage terminé, elle sera réservée au thème de Steampunk. Gros bisous les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.